Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous extrêmement bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale. Je suis spéciale. Aujourd'hui, nous allons défier le plus grand génie d'Internet. Que dis-je, la personne qui possède le plus de QI quotient intellectuel sur l'interweb. Aujourd'hui, nous allons défier le génie Akinator. Moi, je suis Akinator. Je vais tous vous battre bande de nulos. J'ai jamais fait ça et aujourd'hui on va essayer de lui faire deviner les youtubeurs Fortnite. Je vous propose quelque chose pour cette vidéo les amis. Pendant que je vais faire deviner à Akinator les youtubeurs, je vais répondre aux questions et je ne vous dirai pas quel youtubeur est-ce que j'essaie de faire deviner. Vous allez devoir essayer de deviner avant Akinator. Et si vous l'avez trouvé, dites-le en commentaire. Bref, comme d'habitude, pouce bleu, abonnement, blablabla, blablabla, code brise dans la boutique et on y va. C'est parti maintenant, Akinator, let's go! Du coup, on se retrouve, on est sur Akinator et ce qu'on va faire, c'est que tout de suite, nous allons lancer une première partie. Alors, jouer, deviner un personnage. On commence avec la première question. Alors, première question, ton personnage est-il une fille? Non. Ton personnage fait-il partie du milieu du jeu vidéo? Oui. Aujourd'hui, c'est que des youtubeurs Fortnite, hein, au cas où je le dis. Ton personnage a-t-il vécu en France? Je crois pas qu'il habite en France, donc je mets non. Ton personnage a-t-il réellement existé? Oui. Ton personnage parle-t-il couramment français? Oui. A-t-il été découvert dans une poubelle? Hein? Ton personnage est-il lié à Fortnite? Oui. Ton personnage porte-t-il des lunettes? Je crois oui. Est-il papa? Non. Est-il un stagiaire? Il pose des questions bizarres un peu des fois quand même. Hein. Ton personnage chante-t-il beaucoup de solo? Je sais pas. Est-il gros? Non. Ton personnage a-t-il créé un opéra rock à succès? Bah oui, bien évidemment, tiens. Tous les youtubeurs Fortnite ont fait ça. Ton personnage fait-il des death runs? Oui. Ton personnage vient-il de se teindre les cheveux? Je sais pas. J'avoue que là, je sais pas du tout, je sais pas. Joue-t-il le rôle d'un méchant? Non. Ton personnage s'est-il déjà fait teindre les cheveux? Oui. Bravo Akinator. Moi, je suis diabolique. Je t'ai dit que j'allais y arriver. Trop facile, Jean-Fils. Youtubeur Minecraftien. Ça fait longtemps qu'il fait plus le Minecraft, Jean-Fils. D'ailleurs, Jean-Fils, si tu regardes cette vidéo, je faisais partie de la team. Comment ça s'appelait ton serveur déjà, merde? Goulema MC, je crois. Ouah, c'est un fou là, ça fait longtemps. Alors, youtubeur Minecraftien, du coup, Ahmed, oui. Et voilà, personnage joué 60 992 fois, wesh. Eh, Jean-Fils, il est populaire sur Akinator. Dernière fois, c'était le 14-10 à midi 12. Il est midi 33, je fais la vidéo, il y a moins de 20 minutes. Il a déjà été cherché, quoi. Bien joué, Jean-Fils, bravo. Ok, allez, on y va. C'est parti pour le deuxième youtubeur. Alors, on commence. Ton personnage est-il une fille? Non. Ton personnage fait-il partie du milieu du jeu vidéo? Oui. A-t-il plus d'un million d'abonnés sur YouTube? Non. Je le répète, essayez de trouver en même temps. Hein. Ton personnage est-il un YouTuber? Oui. Fait-il des vidéos sur Minecraft? Non. Est-il lié à Fortnite? Oui. Cache-t-il son visage? Non. Ton personnage est-il gros? Non. Ton personnage porte-t-il des lunettes? Des fois oui, des fois non. On va mettre probablement. Est-il chrétien? Bah je sais pas. Joue-t-il dans une équipe professionnelle? Non, vraiment pas. Alors là non. Ton personnage a-t-il plus de 30 ans? Non. Ton personnage est-il un phoque? Un phoque? Non. Vit-il avec ses parents? Il me semble que oui. Se produit-il sur scène? Non. A-t-il plus de 18 ans? Oui. Est-ce qu'il est noir de peau? Non. Fait-il de la musculation? Je sais pas. Est-il arabe? Non. Est-il un adolescent? Je sais pas. A-t-il une petite amie? Oui. Vit-il en Italie? Non. Ton personnage est-il réputé pour être costaud? Non. Est-ce qu'il porte une casquette noire? Probablement. Utilise-t-il une manette personnalisée? Oh! Quoi? Attendez. Pause. Pause. Attends. En fait, je voulais me faire deviner moi. Oui. Mais je pensais pas qu'il allait me trouver du premier coup en fait. What the fuck. Je savais que j'étais sur Akinator parce que bah, ma curiosité a fait que j'ai déjà cherché hors vidéo, c'est normal. Et je pensais pas qu'il allait me trouver aussi vite. What the fuck. Incroyable. Alors du coup, on va mettre oui. Et du coup, mon personnage, bon c'est pas comme Jean-Fils, hein, c'est 182 fois. Bah les gens qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à aller sur Akinator à me chercher. Comme ça, on va faire grimper le nombre, là, je veux qu'il y ait au moins 1000 fois. Joué précédemment le 14, donc c'était aujourd'hui, à 10h20, il y a 2h. Yes, let's go! Il y a quelqu'un qui essaie de me chercher à 2h. C'est parti, on fait tout de suite le troisième youtubeur. On y va, c'est parti, let's go. Ton personnage est-il de sexe féminin? Oui. Ton personnage te connaît-il personnellement? Alors là, je vais mettre à la place de la peau d'un abonné, bien évidemment. Hein. Je vais mettre à la place d'un abonné qui essaie de deviner un youtubeur, parce que sinon, c'est trop facile. Te connaît-il personnellement? Ne sais pas. Ton personnage vit-il dans la même maison que toi? Non. Ton personnage est-il un youtubeur? Oui. Cache-t-il son visage? Oui. Ton personnage fait-il des vidéos sur Roblox? Pas que je sache. Ton personnage est-il un gacha? C'est quoi un gacha? Je sais pas. Ton personnage a-t-il déménagé récemment? Je sais pas. Joue-t-il en équipe de France? Oui, bah bien sûr. Ton personnage est-il lié à Fortnite? Oui. Est-il la mascotte d'une marque de chocolat? Mais c'est quoi ces questions bizarres, non? Ton personnage a-t-il exactement 2 enfants? Je sais pas. Est-il un garçon? Non. Joue-t-il au jeu Fortnite? Oui. A-t-il un rapport avec un aliment?
Oui. Ton personnage chante-t-il depuis très longtemps? Ne sais pas. Es-tu du même sexe que ton personnage? Non. Ton personnage est-il aveugle? Non. Ton personnage a-t-il un petit frère? Je sais pas. Ton personnage fait-il des entretiens avec des candidats de télé-réalité? Non. Je pense à Miss CC, youtubeuse Fortnite. Miss CC, c'est qui ça? Je joue avec Miss CC et Max Do. À mon avis, c'est quelqu'un qui a essayé de se mettre sur Akinator. Ton personnage a-t-il un surnom lié aux sucreries? Oui. Travaille-t-il à TF1? Non. Oui, voilà. Voilà. C'était Chocolat et Vanilla. Dites-moi de votre côté si jamais vous aviez trouvé avant Akinator. Je pense qu'il y a possibilité, surtout la question, il me demandait si ça avait lié avec de la nourriture. Et personnage joué 3466 fois. Ok. Personnage récemment joué, le 14, donc aujourd'hui à 7h04 du matin. Allez rejouer, on va faire avec le quatrième et dernier youtubeur. C'est Bonji. Ok les amis, cette fois-ci, on va vous faire deviner un youtubeur. J'espère que vous allez le trouver avant moi. Attention, c'est parti. Alors, ton personnage est-il une fille? Non. Ton personnage fait-il partie du milieu du jeu vidéo? Oui. Ton personnage a-t-il une communauté, un lien pardon, avec la communauté minecraftienne? Probablement. Ton personnage fait-il partie de la team Crouton? Non. Ton personnage a-t-il un trident? Non. Ton personnage fait-il partie de Black Clover? Non. Ton personnage fait-il des vidéos sur Roblox? Non. Ton personnage a-t-il plus d'un million d'abonnés sur YouTube? Oui. Ton personnage porte-t-il des lunettes? Oui. Ton personnage a-t-il été amputé du bras gauche? Non. Ton personnage s'est-il déjà fait teindre les cheveux? Oui. Ton personnage a-t-il les cheveux bleus? Non. Ton personnage est-il lié à Fortnite? Oui. Ton personnage est-il rose? Non. Ton personnage a-t-il un tatouage sur le bras? Oui. Waouh, je pensais que c'était la question qui allait donner du coup sur la réponse, mais pas du tout. Ton personnage a-t-il perdu ses parents? Non. Ton personnage est-il du Nord? Non plus. Est-il gros? Non. Portait-il le plus souvent une casquette? Oui. Est-ce que ton personnage a un code créateur? Oui. Bon, bah félicitations, hein. Moi, je t'avais prévenu que j'étais le plus fort. Tu croyais quoi, Zerbi? Que j'allais perdre espèce de nulos? Bravo, Akinator. Bravo, vraiment, félicitations, hein. Oui, oui, c'est ça. Félicite-moi. Je préfère bon toutou. Bravo, Akinator, tu as su me battre. Félicitations à Akinator. Vraiment, je m'attendais pas à ce qu'il donne autant de bonnes réponses. Hein. Ça m'étonne un petit peu de la part d'une intelligence artificielle. Par contre, parle bien, sinon je vais te casser la bouche. Si jamais cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être qu'on fera un épisode 2 avec d'autres youtubeurs Fortnite. Ça pourrait être vraiment sympa. Dédicace à tous les youtubeurs que j'ai fait passer dans cette vidéo, ça fait plaisir. Moi, les amis, sur ce, je vais vous laisser là. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, bien évidemment. Road to 400 000 abonnés. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Brice. Ciao.